Non, je plaisante. C'était pour rire, c'était un coup de fun. Non, il est vrai qu'après notre titre de champion du monde, il est évident qu'on va essayer de renouveler le plus de fois possible ce titre. Parce que nos principales concurrentes étant les japonaises, il est difficile de les détrôner plusieurs saisons d'affilée. Donc pour nous, ça va être des remises en question sans arrêt et puis d'arriver encore plus au top que d'habitude. Voilà. Et surtout, bien entendu, parce que notre objectif, en fait, à chaque compétition, n'est pas de renouveler que soient les mêmes kata ou en l'occurrence le même bunkai à la fin pour les finales. Donc le bunkai, je le rappelle, est un enchaînement avec partenaire qui, en l'occurrence, chaque technique en fait exécutée dans le vide, dans un kata, a une représentation technique en combat réel avec un partenaire. Voilà. Donc le but est de changer tout ça en même temps, faire des recherches différentes pour que ce soit notamment le public ou même les arbitres voient quelque chose de nouveau à chaque compétition. C'est vraiment l'objectif. Donc on a mi-avril les championnats de France qui vont être quand même les sélections pour les futurs championnats d'Europe qui auront lieu mi-mai. Voilà, ça c'est vraiment nos principaux objectifs. Voilà, et entre-temps on aura des Golden, des Open en l'occurrence de préparation pour les championnats. Mais en fait, ce sont deux phases d'arts martiaux complètement différentes. Puisque bon, l'artistique et donc en l'occurrence les katas, puisque c'est souvent basé sur des katas, sur des techniques, où vraiment c'est en musique. Je pense qu'il y a un côté chorégraphique beaucoup plus important, un côté également physique quand même, parce qu'ils sont amenés pas mal de temps à faire divers coups de pied sautés, des fois des sauts périlleux. Donc c'est quand même un sport très athlétique. Par contre, concernant le karaté contact, c'est peut-être c'est moins chorégraphique, on va dire. Par contre, il y a beaucoup plus d'impact. Voilà. Je dirais que c'est un petit peu la finition du karaté, quoi. On a droit au contact, donc karaté, on n'a pas du tout droit. Je dirais que c'est un petit peu la finition du karaté. Moi personnellement, les deux me branchent, hein, parce que bon, nous, on fait du kata technique, le kata traditionnel. C'est vrai que quand on est en démonstration, on fait toujours du karaté traditionnel, mais qu'on met en musique. Qu'on lit en musique. Bon, par contre, c'est vrai que nous, on essaye quand même que tous les coups soient portés. Donc, contrairement au karaté artistique, où peut-être les coups sont moins portés que les nôtres, mais par contre, ils ont des techniques quand même très, très spectaculaires. Moi, je dirais, en fait, sur un point de vue karaté traditionnel, on retrouve la partie kata et la partie kumite, alors que dans le kata artistique, on retrouve que la partie kata, et dans le karaté contact, on retrouve que la partie kumite. Donc finalement, je trouve que dans le karaté, on regroupe les deux, avec bien sûr des règles et des règlements différents. Voilà.